nous sommes sur un site à Niamey et c'est une école coranique. Donc nous sommes là pour la réalisation des forages d'une capacité de 15 000 litres. Donc nous sommes avec Monsieur Sunaila, qui est notre guide du jour, pour nous montrer un peu où nous allons installer le château. Bon, ici déjà, les châteaux d'eau, le tank sera installé ici. On va faire un support de 6 mètres de haut pour pouvoir permettre au tank d'être en haut et avoir une pression normale. Et les tuyaux du forage vont sortir d'ici pour alimenter le château, parce que là, le château, le forage sera complètement derrière. Donc nous allons sortir pour voir un peu comment est-ce que nous allons alimenter cet édifice en eau. Voilà, vous voyez un peu les bâtiments en haut. Et c'est des grands bâtisses. Donc nous sommes là pour travailler. Et c'est dans le compte de l'entreprise LTE. LTE qui fait toujours son petit bonhomme de chemin, qui essaie de vraiment travailler pour le bien-être des gens et des populations. Aujourd'hui, nous sommes à une étape encore pour la réalisation d'un forage. Voilà, nous sortons. Nous sommes à l'extérieur du bâtiment. Voilà le bâtiment qui est là. Regardez le grand bâtiment. C'est une école coranique. Voilà, c'est une école coranique. Voilà, donc nous allons réaliser le forage dans cette école coranique. Et nous allons positionner le forage ici pour que nous puissions alimenter le bâtiment. Voilà, je suis en train de vous montrer la position du forage. Le forage sera positionné tout juste derrière le mur, là derrière le mur. Et à partir de là, nous allons faire l'installation des tuyaux qui vont passer dans ce couloir et sortir directement sur le château d'eau. Donc voilà un peu ce que nous allons faire ici. Donc nous allons maintenant chercher à prendre les mesures et puis nous allons vous revenir dans peu de temps. Merci, et sachez que LTE est là pour vous aider. Vous fait plaisir et puis vous amener à être vraiment en bonne santé avec de l'eau très pure venant d'un forage. Merci.